je m'appelle Alexandre Tardy, lieutenant à la brigade de pompiers de la ville de la Sarre. Je suis pompier depuis 4 ans, lieutenant depuis 2 ans. La ville de la Sarre est un employeur de choix pour moi parce que elle me permet de faire mon métier principal, mais aussi de faire le métier de pompier que je rêvais depuis longtemps. Puis même si je suis un employé à temps partiel de la ville, je vais participer à toutes les activités qui sont offertes par la ville pour les employés à temps plein. Exemple, les parties de Noël, on va dire, ça nous permet de connaître tout le monde. On a des activités familiales. Ce que j'aime le plus dans mon travail de pompier, mon travail aussi un très beau passe-temps. Chaque situation qu'on va arriver n'a jamais une de pareille. On a bien beau avoir deux bâtiments pratiquement pareils, mais le feu, l'environnement, la température, tout va jouer contre nous. Puis nous, il faut apprendre à gérer tout ça. Bien, gravir les échelons rapidement, c'est sûr, c'est un avantage parce qu'on n'est pas une grosse brigade. On est 30 pompiers. Puis ça prend aussi à avoir du guts un peu pour se dire, même après 2 ans de pompier, tu sais, oui, j'ai vu des feux, mais faut que tu diriges des gars que ça fait 30 puis 35 ans qu'ils sont là. Mais ça, c'est. Faut que tu y penses. Toutes les formations qu'on a à faire pour devenir pompier, il est payé complètement par la ville de la Sarre. Que ce soit notre pompier 1, notre cours d'officier, cours d'instructeur, c'est payé par la ville. Puis on est toujours en formation continue pour continuer à s'améliorer, puis avec les nouvelles techniques, parce que oui, ça évolue. Dans l'incendie, c'est pas un milieu fermé, toujours place à l'amélioration.